Oui, et autre mauvaise nouvelle pour Valenciennes, Antoine Comboré, son coach, était suspendu, donc il a dû jouer de ce petit appareil, un talkie-walkie, on vous le dit tout de suite, il s'en est pas servi. Est-ce ou non bon signe pour Valenciennes? On voit tout de suite ce résumé. Il était 19h59 lorsqu'il prend possession de cette cage, qui n'est pas, sans rappeler, les cages réservées aux hockeyeurs lorsqu'ils sont suspendus pour assister à une entame de match très nettement à l'avantage de ce camp qui s'est complètement relancé en championnat lors d'une belle victoire face au Mans 3-2 avec Gouffran, avec De Roin, avec Mazur qui est titulaire. Dans le 4-5-1 de Dumas, ça passe à côté. Voilà peut-être la différence entre un joueur qui marquait régulièrement, qui avait du temps de jeu il y a deux saisons et qui là doute un peu, peut-être qu'il ne traverse pas assez cette balle-là, même si un bon retour de Mater. En tout cas, la grosse déception de Dumas qui voudrait avoir la confirmation par le jeu à l'extérieur. Une équipe qui n'a jamais marqué le moindre but en déplacement. Moins d'un quart d'heure de jeu, Savidan dans la surface de réparation. La talonnade pour Belmadi qui va frapper derrière la partie de billard et qui est là pour marquer Philippe Cibot. L'international slovaque, c'est son premier but en Ligue 1. On reste bien sûr sur les deux artisans de ce but-là. Regardez, ça n'arrache même pas un petit sourire. Hein. Antoine Comboré très concentré à quelques mètres simplement de l'heure de jeu. On apprécie la talonnade d'un Savidan toujours très mobile. Belmadi, il a été recruté aussi pour apporter son métier, sa technique en mouvement. Pied droit, pied gauche, il sait tout faire. Jamel Belmadi, l'ancien parisien marseillais. La frappe est contrée par Sub et à l'arrivée, le premier but. Ça fait 1-0, on vous le dit, contre le cours du jeu. Et justement, les écarts qu'il n'y avait plus dans le 4-4-2 en début de saison, qui avaient été rectifiés dans le changement tactique de Franck Dumas, eh bien on les retrouve dans cette équipe qui pourtant continue à jouer avec Anthony De Roin, qui avait été très bon il y a 8 jours, qui a vu, senti Gouffran, le coup de tête de Gouffran. C'est dans les gants de Nicolas Pento, nouvelle occasion canaise. Derrière, écoutez Bernard Guignedou. Et oui, l'ancien adjoint d'Antoine Comboiré était le relais de l'homme au taki-walkie. Sur les dégagements du gardien, il y en a un des deux. On presse, on joue haut. Regardez, 43e minute, Savidan pour Philippe Cibot. Le piqué est parfait, ça fait 2-0. Quand a joué, quand a dominé, quand a eu le ballon. Mais la délivrance, elle est pour le beau Nicolas Pento. Le tout surligné par un jeu qui n'y était pas, révélateur à l'appui. Et Marc Libra, notre homme de terrain, ancien attaquant de formation, apprécié ce soir. D'abord la remise de Savidan, et puis derrière ce piqué joué à la perfection par Philippe Cibot, un joueur que l'on avait connu sous les couleurs de l'Austria de Vienne. Alors vous n'êtes peut-être pas féru de ce genre de championnat, alors sous les couleurs du Glasgow Rangers, plus sûrement international slovaque, qui marque 2 buts, c'est presque autant que lors des 7 derniers matchs de la formation de Valenciennes. Et dès l'entame de la deuxième mi-temps, Belmadi lui se trompe de camp, et Sanson qui vient de rentrer en jeu eh bien, est taclé par ce très bon retour de Wadou. Ça vaut bien quelques belles reprises de volée que l'on voit régulièrement dans le genre de foot, ce vrai geste de défenseur. Regardez cette action, une touche de balle, il y a tout le monde, il y a Belmadi, il y a Savidan, il y a Philippe Cibot qui tente un centre-tir alors que Yacine Bezas attendait ce ballon dans les 6 mètres, péché peut-être de gourmandise, parce que oui, derrière le but on se rend compte qu'il essaie de frapper. Planté n'avait pas très bien fermé l'angle, sa main est un petit peu douteuse, il s'en sort plutôt pas mal sur ce coup-là. Les Canets, le coquin d'Antoine Comboiré sort sa tête pour donner quelques consignes à Maudit Traoré qui va rentrer. Et puis l'heure de jeu, Steve Savidan entre deux joueurs Canet, il est passé, le contrôle orienté, derrière il accélère, la frappe elle est déviée et ça fait 3-0. Et le voilà, le but de Steve Savidan qui n'avait plus marqué depuis Valenciennes de Sochaux. Pourtant il se crée des occasions, il travaille énormément à l'entraînement, ça allait venir, nous avait-il dit avant le match. Et là on apprécie toute la panoplie de l'attaquant moderne, il y a la frappe, il y a la volonté, mais il y a surtout ce geste qui fait la différence. C'est entre Angebar et le cas, le contrôle est parfait, derrière appui détonnant. Et puis la frappe, on se pose pas de questions. 1-2, c'est parti. C'est touché, c'est vrai, par Sorbon. Ça fait 3-0 pour cette formation de Valenciennes. On vous le dit, on le répète, mais c'est important. Ils avaient marqué 2 buts lors des 7 derniers matchs. 3 en 60 minutes. Et regardez la balade avec Douming qui a fait son anniversaire hier. Le ballon pour l'extérieur du pied. Superbe. Dans les pieds de Pujol qui tente un petit piqué. La passe était superbe de la part de Sanchez, milieu à tout faire de cette formation d'Antoine Comboiré qui a décidé de quitter sa zone de suspension définitivement pour apprécier ce qui aurait dû être le ballon du 4-0. C'est terminé, 3-0 pour Valenciennes. Caen avait connu son réveil face au Mans il y a 8 jours. Et bien ce soir, le déclic offensif, il est pour Valenciennes. La joie d'un Savidan dopé tout simplement au plaisir, à l'endorphine. Et derrière, on écoute toute l'humilité du banni du soir au micro de Marc Libra. Ouais, mais comme je l'ai dit, comme quoi, c'est bien la preuve que qu'on soit sur le banc ou dans les tribunes, les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et puis, ce sont des joueurs responsables. Ils ont montré qu'ils avaient donc de la qualité. Et puis, surtout, qu'ils étaient capables, quand il y a la pression comme ça, de répondre présent. Et c'est pour ça que je leur en félicite pour leur performance de ce soir.